L'instant photo. Un artiste nous dévoile à travers une photo de son choix, ses émotions, son parcours, sa vie. Ce mois-ci, nous recevons la comédienne Valérie Mérès. Bonjour et bienvenue à l'instant photo, consacré ce mois-ci à Valérie Mérès. Enchantée Valérie, merci et bienvenue alors. Tu as choisi pour cet instant photo, ton instant photo, ce magnifique portrait. Donc tu vas nous en parler un petit peu. Je te laisse la parole. Bah, écoute, cette photo, c'est une photo que j'ai fait à l'époque. C'était pour la sortie de l'entraînement du champion avant la course. C'est un film que j'ai fait à peu près en 80. Je dirais en 89, je crois, 88-89. Donc voilà, c'est une photo début des années 90. Et on avait joué sur le côté actrice des années 50. Moi, c'est toujours... c'est à cause des actrices des années 50 que j'ai voulu être actrice. C'est vraiment elles qui me faisaient rêver. Marilyn, Ava Gardner, Lorraine Bacall, toutes ces femmes-là. Et donc c'est une de mes photos préférées. C'est pour ça que quand tu m'as dit « choisis une photo », ben j'ai choisi celle-ci, quoi. C'est pas une photo de tournage, c'est une photo après tournage. C'était pour la promotion de l'entraînement du champion qu'on avait fait ces photos dans un hôtel. Je crois qu'on avait été au Regina, dans un très bel hôtel, etc. Et qu'on avait fait ça. J'ai oublié le nom du photographe, par contre. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton livre. Je raconte justement cette petite fille qui rêvait d'être une actrice américaine et qui est arrivée à Paris. Et puis j'ai fait du café-théâtre et puis j'ai fait des choses... je me suis arrêtée à Paris, on va dire, quoi. Mais c'était vraiment... Je trouve que... Quand je revois encore maintenant des films en noir et blanc des années, on va dire, entre 50 et 60, quoi, je trouve que ça a pas, on n'a pas, c'est vraiment ce qui, c'est glamour, quoi, voilà, c'est glamour. Et quand j'étais petite, c'était ça qui me tentait, c'était être une actrice glamour. En feuilletant ton livre, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait beaucoup de photos. Ben disons que ça montre l'évolution. En plus, bon, il y a des photos de moi petite, après plus grande, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas mal eu de looks différents suivant les films, quoi. Et donc c'est pour ça. Mais je pense que toutes les actrices ont ça, quoi. Plusieurs facettes et donc plusieurs visages. C'est vrai que c'est ce côté-là qui me fait encore maintenant le plus rêver. Donc je suis vraiment dans ce côté glamour comme ça. Pour moi, une photo noir et blanc, c'est beaucoup plus beau qu'une photo couleur. C'est ça, j'ai dû la faire en 89, cette photo. Ça fait 20 ans. On s'était donné rendez-vous avec le photographe. Il y avait une maquilleuse et un coiffeur. Le coiffeur, c'était le coiffeur du film. Et c'est quelqu'un que je trouve absolument formidable. Il s'appelle Cédric Chamy. Et c'est lui qui m'a coiffée sur cette photo. Et c'est lui qui m'avait fait ma choucroute sur l'entraînement du champion. Donc, on était dans un très bel hôtel. On avait fait essayer des tas de robes, des trucs comme ça. Et on avait gardé celle-ci parce que, justement... le photographe voulait donner un côté comme ça, de film noir des années 50. Et je me souviens qu'on s'était bien amusé à la faire, quoi. Valérie Mérès avec brushing, quand même. Mais oui, absolument. Et c'est rare, c'est très rare. Et je dois dire que, justement, pour rendre ce côté-là, j'adore. Ouais. Dans la vie, c'est tellement pratique que j'imaginerais pas de me faire des brushings. Mais pour des rôles, moi, je demande pas mieux. Hein, et c'est vrai que pour faire un peu une choucroute comme ça, il faut tirer dessus, quoi. On va parler de tes projets maintenant. Donc il y a Chat en poche et vous partez en tournée, c'est ça? À partir de janvier, janvier, février, mars, avril, on est sur les routes de France avec Chat en poche de Fedo, oui. Avec Jean Benguigui et Arthur Junior, entre autres. On est 8 sur scène. Et on part, tous ceux qui ont joué à Paris, on part en tournée.
Et puis là, au mois d'octobre, je tourne une série pour France 3 qui s'appelle La Nouvelle Maude, MAUD, Nouvelle Maude. Voilà, je suis beaucoup à Angoulême en ce moment. Merci en tout cas pour cet instant photo, délicieux moment avec toi. On se retrouve alors très bientôt donc à la télévision et au théâtre avec Chat en poche, que je conseille à tout le monde. Tu es magnifique, ainsi que tous tes partenaires. Putain.